Dieu. Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que par hasard Dieu sait de me révéler quelque chose? Mais Ernesto, est-ce qu'au bac et moi, Bézé, sont en train de planifier quelque chose de maléfique contre leurs frères? Leur sang? Maman? 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 Chica, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut venir. Ebukaye et Bélé sont en train de se battre. Il faut venir. Là-bas, au coin. Mon Dieu. Allons-y, maman. Là-bas. Hey. Faut venir. Hey. Tant il fait du rame. Si tu veux couler les larmes comme une rivière, si tu veux couler les larmes comme un torrent, si tu veux couler les larmes comme un océan, mais tu vois cette chose abominable ici. Rien ne m'amènera à permettre aux gens comme toi de l'enterrer sur ce sol. Je m'appelle Roi Ubaka. J'ai parlé et mes paroles sont une loi. Tante, tu vois ces cadavres ici? Il faudrait les jeter dans la forêt diabolique. Parce que c'est là où le cadavre des personnes abominables doivent rester. Tant il fait du rama, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'ai pas informé. Ah ah, maman, qu'y a-t-il? Hey. Je fais des rêves étranges ces derniers temps et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne crois pas que c'est juste des rêves. Je suis sûre que c'est des révélations. Révélations? De quoi parles-tu? Je dois aller voir le père Isodo. C'est quelque chose que je ne peux pas prendre à la légère. Père. Tante. Pardonne-moi de t'avoir fait appel hors de la paroisse. C'est moi qui étais censé venir là-bas à la paroisse pour te rencontrer. Tante, tu n'as rien fait de mal. Et tu n'as pas présenté des excuses. Je devrais répondre à ton appel. Tu es la mère que j'ai maintenant. Merci, mon fils. Ça va. Merci. Je t'ai appelé parce que ces derniers temps, je fais des rêves étranges. C'est pas vraiment des rêves. Ça a l'air vrai. C'est comme des révélations. Et de quoi s'agit-il? Obaka, moi baiser. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous à votre frère? Votre sang? Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal, pitié, c'est votre frère. Votre sang, c'est un prêtre. Je vous en prie, mes enfants, ne versez pas le sang d'un serviteur des dieux, pitié. Ah. Quand mes enfants étaient morts, que leurs âmes reposent en paix. Amen. Je t'avais vu allongé par terre inconscient dans le palais. Et j'avais vu deux frères
Obaka, ainsi que Mwabeze, ils avaient l'air bizarres, ils étaient méconnaissables. Ils étaient en train de faire un genre de rituel sur toi. Dieu nous en préserve. Qu'il nous en préserve, oui. Et aujourd'hui encore, je fais un autre rêve. C'était un peu différent avec l'autre rêve, mais ça porte toujours le même message. Ça m'a fait peur. C'est pour ça que j'ai jugé bon d'y t'inviter. Qu'est-ce que tu as vu? Ah. Père, je t'ai vu. Je t'ai vu encore une fois allongé par terre ici, dans cette parcelle. J'étais en train de pleurer. J'ai crié. Et j'ai vu tes frères. Obaka. Ainsi que moi baiser. Ils étaient juste là. Ils m'avertissaient. Ils disaient ceci. Le cadavre de notre ennemi ne sera pas enterré dans cette ville. J'avais peur. Et je ne comprenais rien. Tante, je te remercie beaucoup de m'avoir raconté tout ça. Mais une chose que je veux t'assurer est que mon Dieu est vivant. Amen. Il ne va laisser aucun mal m'arriver. Amen. Je sers un Dieu vivant. Arrête de pleurer. J'avais eu vraiment peur. Ça va. Dieu est au contrôle. Amen. Cet arôme ne dégage pas du tout une bonne odeur. La femme là est sur le point de me causer assez d'ennui à moi. Votre grandeur, cette femme ne fera absolument rien du tout. Quelle assurance as-tu en disant ça? Tu étais ici, lorsqu'elle était venue dans ce palais, faisant jaillir des abus et menaces sur moi. J'ai vu le culot, l'effronterie, le courage et le sérieux sur ses yeux. Mon roi, Igwe Ozopolu Iniego, Son Altesse Royale, comment peux-tu paniquer pour rien du tout? Regarde comment des simples mots venant d'une femme ordinaire te rendent si bizarre comme ça. Hein, Igwe? Même à ça, je ne dois pas être négligent à éviter un événement imprévu. Igwe Ozopolu Iniego, tu as le pouvoir entre tes mains de faire ou de défaire. Ce que tu diras le restera. Donc finis-en avec cette femme, si tu le veux.